Et yo tout le monde, c'est Mastix, comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi je vais bien, et aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 27, le dernier épisode je pense de cette aventure sur Pokémon version platine en Nuzlocke Challenge. Entre le dernier épisode et celui-ci, j'ai un peu XP mes Pokémon, peut-être un peu trop. Niveau 65 pour à peu près pour tous, sauf Dark World, parce que Dark World il est un peu plus faible. Until V12 a évolué, il est passé en Dimoré parce que je devais mettre une griffe rasoir. Et j'ai XP un peu de nuit, donc voilà. Il a donc griffe acier, griffe ombre, aéropic, laser glace. Ouais, je vais voir un peu si je peux pas lui mettre un autre objet que la glace éternelle parce que... Voilà, je vais lui mettre ça. Hop. Après, nous avons Dark World, donc notre Togetic, qui a donc Cage Éclair, Onde de Choc, Pouvoir Antique, Lance-Flamme. Trunkan, notre Blizzard Roi, qui a Escalade, Giga Sensu, Blizzard, Queue de Fer. L'objet Grosse Racine, là l'objet Aimant. Tubagomed, notre Musteflotte, qui a la Griffe Rasoir et qui a Surf... Machouille, Éclatroc, Cascade. Bon, Éclatroc, je vais pas m'en servir, hein, clairement. Mystéro, avec la plaque point qui a Choc Mental, Force, Pied Voltige, Forte Pomme. Imakizumi, notre Mamochon qui a Boubombe, Vent Glacé, Séisme. Non, Vent Glace tout court, parce qu'il n'y a pas d'accent. Séisme, Éboulement, et qui tient l'objet Sable Doux. Et c'est tout. Ça fait, bah, c'est déjà pas mal. Donc, soit à faire, c'est qu'on va soigner les Pokémon de suite. Hop. Et on va faire le plein d'objets. Alors, bienvenue. Acheter. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait un code pour avoir de l'argent pour le casino. Pour avoir laser glace. Bon, on va en acheter 6. Des guérisons, on va en acheter. Fan 4. Rappel, pas besoin. Total soin. On va en acheter 6. Et voilà. Bon, j'avais 35 000 et quelques, je crois. Enfin, je ne sais plus combien j'avais. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu qui on est en première position. Ouais, allez, on va laisser ça. Et on est parti. Je dois d'abord vérifier ton aptitude à entrer dans la Ligue Pokémon. Laisse-moi voir tes badges. Le badge Charbon de Charbourg. Le badge Forêt de Vestigion. Le badge Fantôme d'Union Police. Le badge Pavé de Voilaroc. Le badge Palustre de Verchamp. Le badge Mine de Joliberge. Le badge Glaçon de Frémapic. Et enfin, le badge Phare de Rivamar. C'est parfait. Dresseur, tu as réussi à rassembler les 8 badges d'arène de Sinnoh. Prouve ta valeur et sois à la hauteur de la gloire à laquelle tu aspires. Et bien écoutez, on va vérifier un peu, tout le monde est soigné. Je pense que c'est bon. Allez, on y va. La musique est cool. Allez, premier combat. Bonjour et bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Aaron du Conseil 4. Ravi de te rencontrer enfin. Je te préviens, je suis un grand fan des Pokémon de type insecte. Ils sont à la fois redoutables et magnifiques. Tu sais pourquoi je suis dans cette pièce? Toujours prêt à relever un défi? Je veux devenir parfait comme mes Pokémon. Que le duel commence. Allez,
On est chaud, on est chaud, on est chaud. Yann Mega. Bon. Attaque. On va faire Laser Glass. Même si je suis meilleur en attaque physique. Bah, je suis pas sûr de le tuer. Ah, même pas. Ah, il est gelé. Oh, bah voilà une bonne nouvelle. Bah, quoique, il va faire une guérison, j'imagine bien. On va faire Aéropic. J'aurais dû faire Laser Glass avant et Aéropic après, si jamais j'avais... À moins que ça le tue directement, parce que c'est également super efficace. Non. Bon, c'est pas grave. Je peux le faire toujours maintenant. Ah, l'enfoiré! Il envoie qui, du coup? Scarino. Ah, mais c'est pas grave. Ça devrait le faire. Même si ça le fait pas, avec Aéropic, j'attaque en premier, donc c'est cool. Et ben voilà, ça c'est parfait. Scarino. Terminé. En même temps, c'est du x4, hein, le vol. Cizayox. On va changer de Pokémon et envoyer Dark World, parce qu'il a lance-flamme. Normalement, ça va le mettre KO direct, hein, je pense. C'est x4. Il est insecte acier. Lance-flamme. Il est vraiment classe, Cizayox, hein, dans cette version. Et voilà, bon, ça c'est fait. Ça va pas être très compliqué, je pense, au début. Hein. Mais sur la fin, ça risque de se compliquer un peu. Parce que les niveaux, ils augmentent vachement rapidement. Chez eux. Draskor. Draskor, on va changer de Pokémon. On va envoyer Imakizumi, parce que Draskor, un Pokémon de type poison... Je sais pas s'il est insecte poison. En tout cas, il craint les attaques de type sol. Attaque séisme. Parce qu'il est plus fort en attaque physique aussi, Mamochon. Allez. Normalement, ça devrait le faire. Séisme, c'est une attaque puissante. En plus, c'est stabé. Hop. Apiren. Je vais pas changer. Je vais pas changer et je vais faire Laser Glass. Non, Vent Glace. Allez. Même pas. Waouh. Appel défense. C'est quoi ça? Défense du Apiren augmente. Défense spéciale aussi. Merde. Ça c'est con. Bon, on va refaire Vent Glace. Allez. Fais-nous un coup critique. Ah non. Bon, sa vitesse baisse, mais bon, c'est pas... Appel soin. Oh, c'est bizarre ces trucs là. Ah, ça lui remet autant. Bon, écoutez. Hop. On va envoyer... Non, je sais ce qu'on va faire. On va faire éboulement. Parce qu'il y a, une petite chance qu'il ait la trouille. Ça serait cool. Ah bah de toute façon, ça suffit. Bon, bah parfait. Parfait, parfait. Yann Mega. Bon, on va pas changer non plus. Mais attention, il y reste quasiment plus rien, donc... Ce n'est pas encore fini. Un membre du Conseil 4 n'abandonne jamais. Bon, on va lui faire Vent Glace. Ça va être suffisant, je pense. Voilà. C'est super efficace. Et on a battu Conseil 4 Aaron. J'accepte ma défaite. Mais je crois que tu as pu voir à quel point les Pokémon de type insecte sont forts.
J'espère que tu réalises aussi que tu es à la Ligue Pokémon. Le combat est une chose profonde et complexe. Bon. Celui-là, on l'a passé sans problème. Ah bien, tu n'as pas lu. Si nous avons perdu, ça ne peut être que de ma faute. J'ai compris la leçon au retour à la case d'entraînement. Tous avec moi. Bon, bref, ton prochain défi t'attend. Trois dresseurs, tous plus forts que moi. Donne le maximum. Bon. J'aurais dû prendre des super potions. Alors, on va mettre Trunkan en première position. Ouais, je parle un peu du nez, je suis enrhumé. C'est un peu chiant pour un mois d'août. Mais bon. Que voulez-vous? Mais regardez-moi ça! Quel dresseur adorable! Mais qui a également l'air redoutable! Ah, je suis Terry! Mon domaine, c'est les Pokémon de type sol. Et si tu montrais à une vieille dame ce dont la nouvelle garde est capable? Ah oui, elle est bien vieille quand même. Barbicha, un Pokémon de type eau sol. Ça c'est chiant par contre qu'il ait alerte neige. Parce que mes Pokémon aussi ils prennent. Hein. Giga Sensu, allez. Normalement ça le met KO en un coup vu que c'est x4. Voilà, parfait. La grêle continue, très bien. Scorvol. Je vais changer de Pokémon quand même. Je vais envoyer lui. Mais quoi, il est Solvol. Attaque. Surf. Allez. Allez. Oui. C'est bon. Après, c'est vrai que je suis beaucoup XP. Hein. J'ai beaucoup XP. Et j'ai sûrement trop XP parce que... Ah, parce que voilà, j'avais peur. J'avais peur. J'ai pas forcément une équipe très... très puissante par rapport à... au type qu'il y a et surtout par rapport au... au maître qui a tous les types et ça va être... je pense que ça va être très compliqué face au maître. Et les niveaux des Pokémon, ils augmentent vachement rapidement dans... là. Au début, ouais, ils sont au niveau 48, tout ça, mais à la fin, ils doivent être au niveau 60, 65. Rhinastock, bon, on garde le même. Hop. Normalement, ça devrait suffire. Rhinastock est quand même carrément badass, quoi. Là. Hippodocus. Non, bon, on va garder. Bon, tempête sable. C'est pas trop grave. On va faire surf toujours. Hein. On spam surf. C'est... ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais refaire surf parce qu'il y a de fortes chances que... qu'il envoie une guérison. Mon chou, ne crois pas un instant que tu peux gagner. Allez, la petite guérison. Hop, j'accélère un petit coup parce que... allez. Allez, 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 allez
Oui. Voilà, niveau 66, c'est cool. Eh bien, mon chou, je dois dire que je suis impressionné. Tes Pokémon croient en toi et font de leur mieux pour remporter la victoire. Malgré ma défaite, je ne peux m'empêcher de sourire bêtement. Tu es vraiment redoutable, jeune dresseur. J'admire le lien très fort qui t'unit à tes Pokémon. C'est ce qui fait ta force et te mènera vers les sommets. Je suis sûr que tu y seras de rien de temps, au sommet. Bon. Ça, c'est fait. Hyper potion. Là. Hop. On va mettre lui en première position. Soyons fous. Alors, qu'est-ce qui nous attend après ? Type feu. Hey, dresseur, je compte les jours depuis que j'ai su que tu allais venir. Le récit de tes exploits contre Tanguy est arrivé jusqu'ici. Réussir à raviver la flamme de ce vieux Tanguy, plutôt bien joué. T'imagines à quel point j'étais impatient de t'affronter ? Prépare-toi à affronter les Pokémon de type feu. Montre-moi si la flamme du combat brûle en toi. Démolos. Pokémon type ténèbre. Feu. Attaque. Et bon, on va faire pied voltige. C'est bon, ça passe. Ça passe tranquillement. Hop, parfait. Ensuite, Galoppa. On va changer de Pokémon. On va envoyer lui. Quoique c'est tendu, mais non, ça peut le faire. Si je rate pas mon séisme, ça peut le faire. Allez. Normalement, c'est bon. Et vous voyez, là, c'est déjà niveau 53. Hein. Il y a 5 niveaux de plus que les Pokémon du premier niveau, du premier combat. On est au combien, là? Au troisième? Pyroli. Je pense que je vais quand même changer de Pokémon. Pour assurer le coup, quand même. Parce que s'il me fait une attaque de type feu, je suis quand même dans la merde. Il y a un 55. Surf, allez. Allez, 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 allez. C'est bon, ça. Coup critique en plus. Et bah, t'es un bon, toi. T'es un bon. Hop. Simiabraze. Je pense qu'on va le garder. Attaque, surf. Allez. Allez. C'est bon. Maganon. On va changer de Pokémon parce que je crois que Maganon, il peut apprendre tonnerre. Donc ça serait un peu con de se faire battre maintenant. Je peux sentir ta détermination, ta volonté me domine. Attaque séisme. C'est bon. Eh bien, aucun problème pour ce combat. Expédié, comme on pourrait dire. Incroyable.
Je ne m'attendais pas à ça, j'ai perdu. Je savais que tu avais du talent, mais je n'aurais jamais pensé perdre, pas une seule seconde. Je suis époustouflé, des Pokémon et toi êtes fantastique. Wow, que dire? Tu m'as réduit en cendres. Bon, est-ce qu'on a besoin de les soigner? Eh bien non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez. Hop. Le dernier combat. Ah, tu ne pouvais mieux tomber. Je viens tout juste de finir mon livre. Mais je ne me suis pas présenté. Je suis Lucio, adepte des Pokémon de type Psy. Je dois dire que je suis très impressionné par ton parcours. Tu es vraiment un dresseur exceptionnel. On me considère comme le membre le plus redoutable du Conseil 4. Je ne te laisserai aucune chance, j'en ai bien peur. Je dois me montrer à la hauteur de ma réputation. Ouh, le petit costume rouge et tout. Enfin, petit costume bordeaux. Monsieur Mime! Attaque. Griffe ombre. Normalement, ça devrait le faire. Galam. Eh bien, on va changer de Pokémon. Je serais d'avis pour qu'on envoie lui. Parce qu'il est combat et sachant que Entil V12 et Ténèbres Glace, combat, ça va lui faire très mal. Donc attaque, pied voltige. Je sais pas si ça va suffire. Regardez, niveau 59. Donc j'ai bien fait quand même de les XP un peu. Hein. Coup psycho, ça devrait aller. Parce que je suis combat psy. Ouais, ça va. On va refaire pied voltige. C'est bon, ça passe. Et c'est bon. Ça se complique un petit peu. Non, pas du tout en fait. Mentally. Allez, on va essayer de l'avoir avec ma chouille. Bon, c'est un peu moins fort. Allez. Je pense pas l'avoir du premier coup. Hein. Ah si. À la Kazam. Je vais renvoyer Dimoré. Histoire d'XP un peu, quoi. Je crois que le maître a un Spiritomb. Et j'aime pas du tout Spiritomb. Il a aucune faiblesse. Normalement Griffombre, ça va. En plus avec le tissu fauche, j'augmente la puissance des capacités de type spectre. Donc c'est plutôt cool. Archéodong. On va changer de Pokémon. On va utiliser Dark World. Que puis-je faire maintenant? Attaque, lance-flamme. Allez, mon tcho. Je compte sur toi. Oh là là, c'est pas suffisant. Ça va, il fait plénitude. Bon, tranquille. Attaque P, défense P. Bon, c'est pas un problème. On refait lance-flamme. Putain, j'ai du mal à parler avec le nez bouché, c'est chiant. Et voilà. L'épisode sera rapide finalement. Je pensais que ça allait durer au moins une heure. Je vois, tes précédentes victoires n'étaient pas dues à la chance. Ta force est réelle.
Je sais pas quelle voix lui faire à lui. Il a plus une voix de snob. Toutes mes félicitations, tu as battu le conseil 4. Cependant, cela ne veut pas dire que tu en as fini avec la ligue Pokémon. Il te reste à affronter le maître. Mais laisse-moi te prévenir, le maître est bien meilleur que le conseil 4. Allez, fougueux dresseur, la route vers la gloire est devant toi. Petite hyper potion, quand même. Je crois qu'elle a un spirit tombe en premier, donc je vais envoyer lui. Ouais, je le sens bien comme ça. Je vous laisse apprécier la musique hein, quand même. Comment vas-tu depuis l'autre fois? Merci pour le monde couronné et pour le monde distorsion. Toi et tes Pokémon avez surmonté toutes les épreuves ensemble. Tu as beaucoup mûri, ça se voit tout de suite. Cette force que tu as accumulée, je peux la sentir émaner de toi. Mais assez parlé, passons aux choses sérieuses. Moi, maître de la Ligue Pokémon, j'accepte ton défi. Allez, elle est jolie Cynthia, dis donc. Bon, le spiritomb, ça va être compliqué. Je le sens bien. Allez, surf. Bon, ça s'enlève la moitié. Ça, ça fait mal. Oh! 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 D'accord, on va se soigner. Il nous a fait mal quand même. Vent argenté. Ça va. On va refaire surf. C'est bon! Tu pouvais pas faire ton coup critique avant. Roserad. On va changer de Pokémon de suite. On va envoyer Dark World. Il va nous faire un petit lance-flamme. Toxique. Ah, ça c'est pas cool. Pas grave, j'ai plein de total soins, plein de guérison. Ah. Allez. Bomberk. Ça devrait aider. Je devrais résister, je pense. J'espère. Allez, stop. 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 Punaise, le coup critique est... Bon. Allez. Attaque. Aéropic. Comme ça, je suis sûr d'attaquer en premier. C'est bon. Méchant. T'as fait mourir mon Togetic. Lucario. Lucario, Lucario, on va envoyer Mystero, je pense, hein, parce que... Il est type acier combat. Attaque. Pied voltige. Niveau 60. C'est bon.
Togekiss. On va changer. Allez. Attaque. Éboulement. C'est un sac à PV en plus, ce type. Oh, il a la trouille, parfait. On termine avec Vent Glace. Oh non, mais non, il est même pas mort, quoi. Aura Sphère. Ah non. Ah non. Ah non, non, non. C'est bon. On suppose qu'il va envoyer une guérison. Visiblement, je suis plus rapide que lui, donc c'est déjà un bon point. Coup critique. Le coup critique qui met bien. Niveau 66. Milobelus. Ah oui, mais on a plus Togetic. Ah, c'est vrai qu'on a Trunkan qui va pouvoir nous faire un petit giga sensu. Attaque, giga sensu. Il est au niveau combien celui-là? 58. Bon. Ah oui, d'accord. Vois le miroir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette attaque de fou? Non! Oh l'enfoiré! Alors là, je vous avoue que ça va être compliqué. Milobelus est frappé par la grêle, bon. Allez. Pied voltige. C'est bon. On a quand même perdu deux Pokémon, hein, je tiens à le préciser. Niveau 66. Karchak Rock. Oh la vache. On va changer. On va envoyer Entei le V12. Mais je sens qu'il va faire mal ce Karchak Rock. Niveau 62 en plus. Oh la vache. Je ne me rappelle pas la dernière fois que l'on m'a coincé comme ça. Allez, laser glace. Allez, 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 plus de la moitié. C'est bon. Ah merde. Oh, quoi que ça devrait aller. Tout ce que je lui ai envoyé. Séisme. Ça sent pas bon. Est-ce que vous avez l'impression que ça ne sent pas bon? C'est bon, c'est bon. Touché par la grêle. Allez, c'est sûrement la dernière attaque. Ce n'est pas encore fini. Ce combat est trop amusant pour se terminer si vite. Tu vas voir, Chot. Laser glace. Et c'est la victoire. C'est la victoire. Il y a quelques minutes, tu étais simplement un adversaire de taille.
Mais maintenant, tu es le plus puissant des dresseurs. Tu es le nouveau maître. C'était incroyable. Quel combat magnifique. Tu as réussi à donner à tes Pokémon la force de se dépasser. Tu les as menés de main de maître vers la victoire. Tu as tout. Passion, intelligence. Toi et tes Pokémon, vous êtes capables de relever tous les défis. Voilà ce que je ressens après notre combat. Je suis heureuse d'avoir joué un rôle dans le couronnement du nouveau maître de Sinnoh. Prends l'ascenseur, je te rejoins. Nous allons entrer dans le panthéon des dresseurs. Mastix, ton dernier combat a été magnifique. Oh, bonjour, professeur Sorbier. Une jeune personne que j'ai engagée dans mon projet de Pokédex arrive jusqu'ici. Pour rien au monde, je ne manquerai son couronnement. Mastix, je crois que tu as beaucoup mûri. Tu es maintenant un vrai maître. Professeur, je vois que vous appréciez toujours la spontanéité et l'enthousiasme des jeunes dresseurs. Mastix, suis-moi s'il te plaît. Accompagnez-nous, professeur Sorbier. La dernière fois que je suis venu ici remonte à bien longtemps. Si la dernière fois remonte à mon couronnement, en effet, ça fait un bon bout de temps. Mastix, bienvenue au Panthéon des Dresseurs. Ton nom et ceux de tes Pokémon seront inscrits ici à jamais. Les souvenirs de tes aventures resteront gravés ici. Rappelle-toi que tes Pokémon sont tes partenaires, qu'ils grandissent avec toi à travers toutes les épreuves. Cette machine va enregistrer vos prouesses pour l'éternité. Musteflotte, toujours vivant. Togekiss, mort. Charmina, vivant. Dimoré, je ne sais plus, mort je crois. Bizarrois, mort. Mamochon, vivant. Donc Dimoré était bel et bien vivant. Ah, c'est beau! Félicitations, maître de la Ligue Pokémon. Ah, c'est cool. Sauvegarde en cours, ne pas éteindre. Très bien. C'est un peu long. C'est même très long. Ah. Et voilà. Je vais vous laisser sur cette image. On a terminé l'aventure. On a réussi ce Nuzlocke. Avec bon, des Pokémon que j'ai certes beaucoup XP, mais c'était nécessaire, je pense. Et comment vous dire que... Oh ! Un beau drive. C'est très joli. Très joli. On va se laisser sur ce générique. Un autre beau drive. C'était un plaisir de faire cette aventure avec vous. Enfin, je l'ai fait tout seul. Mais vous me suiviez et c'est vraiment très très cool de votre part. Des épisodes qui ont été énormément vus. Je sais pas si vous avez eu la patience d'attendre d'attendre que je revienne parce que
J'ai quand même vachement galéré pour retrouver les mêmes Pokémon, refaire tout comme il fallait. Parce que je vous rappelle que j'ai arrêté la série il y a un bon moment, il y a plus d'un an, je pense. Parce que j'avais eu des problèmes d'ordinateur. Et là, je me suis dit, allez, on va pas rester sur de l'inachevé. Allez, on va prendre son courage de main et on va retélécharger tout, refaire toute l'aventure. Et voilà. On se retrouve maintenant à la fin de ce let's play, à la fin de cette aventure. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à y jouer, à commenter, à faire des petites frayeurs quand même. On a quand même terminé avec seulement 3 Pokémon. Donc notre Musteflotte. Oh, des Goélise! Notre Musteflotte, notre Mamochon, ainsi que notre. Mais je ne sais plus. Notre Dimoré. Je crois. Hein. Ah non, Charmina, notre Charmina. Charmina, Mamochon. Et Musteflotte, c'est ça. Oh, c'est mignon. Voilà, donc je vais vous laisser profiter de la fin de ce générique. N'hésitez pas à aller voir mes autres let's play qui sont en cours, celui sur Jet Set Radio que je vais continuer là. Un jeu que j'avais envie de vous faire découvrir, un jeu qui était sorti sur Dreamcast. Je vais sûrement refaire l'aventure sur. Comment ça s'appelle? Skies of Arcadia, je vais peut-être reprendre. Et peut-être sur Spyro aussi, si je trouve le courage de refaire toute l'aventure à zéro. Sachant que si j'accélère. Oh, des étoiles filantes. Sachant que si j'accélère dans Skies of Arcadia, je crois qu'après ça reste en accéléré et c'est pas terrible. Enfin, je verrai. Si j'arrive à. C'est un magnéton? Ah, Magnézone. Si j'arrive à refaire l'aventure jusqu'au point où j'étais, ben, je vous le ferai. Fin. Et voilà. Bon ben voilà, c'est. On a réussi à terminer notre aventure. Et puis ben voilà quoi. Je trouve que c'était une bonne aventure. Bon, il se passe rien à la télé. Notre mère va sûrement nous dire quelque chose. Mastix! Antoine est passé te voir il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il m'a crié que tu devais monter à bord d'un bateau à Frimapic. Tu sais à quel point il est impatient. Il est reparti avant que j'aie eu le temps de dire ouf. Bref, comment ça va mon chou? Ton projet avec le professeur Sorby avance bien? Eh bien oui, ça avance bien, je suis devenu maître de la Ligue Pokémon et j'ai terminé le jeu. On va pas continuer. Hein, il nous demande d'aller à Frimapic. Bon, on a terminé avec ces trois-là. Ces trois-là étant décédés, je crois. Je ne me souviens déjà plus. Et en plus, de toute façon, j'ai pas de PC, j'ai pas de Pokémon pouvant apprendre vol. Donc on va abandonner, on va s'arrêter là, dans notre village de départ. Ça fait bizarre de revenir ici après toutes ces heures passées à vos côtés. Et voilà, donc bah moi je vous dis à la prochaine. Et puis portez-vous bien. Allez, salut tout le monde, stay online, bye.